Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer un peu notre petite zone ici, mais également, on va essayer de travailler sur nos transports. Parce que vous voyez, hein, on l'a vu encore à l'instant, on a beaucoup trop de monde dans... Allez. Pour nos transports, quoi. Alors, je vois ici que j'ai encore des petits bugs. Hop, on va rectifier ça. Alors le problème, je crois qu'il vient plutôt du fait que on n'a pas assez de transport en soi. Regardez ici, 541 qui attendent. On doit faire plus de choses. Alors j'ai envie de vous dire, le monorail irait bien. À voir si concrètement ça irait bien. Déjà, on va augmenter un peu la capacité. Alors évidemment, il y a des petits bugs, hein, encore, toujours. Parfait. Bon, écoutez, on augmente du coup ça. Ici, comment ça se passe? Il y a toujours autant de monde. Pas grave. Ok, on va faire, comme j'avais dit ici, on va faire notre petite zone ici. Alors, on va créer ça, on va quand même le créer comme quartier. Hop, on va mettre un quartier. Zou. Voilà. On va le mettre comme quartier de divertissement plutôt que tourisme. Tourisme, c'est hôtel, restaurant et activité. Ouais, peut-être tourisme en fait. Parfait. Et on va du coup rajouter tout ça. Alors après, on changera peut-être par la suite pour mettre des parkings, mais j'avais oublié d'en rajouter. Et du coup, hop, on fait ça. Alors, je vais mettre ça peut-être encore ici, comme ça. Non, peut-être pas là. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours pas eu de rectification pour les différents modes dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc bon, il faut faire, faites continuer à faire gaffe quand même avec les modes que vous téléchargez et ben, on doit malheureusement toujours bien vérifier nos sources. Ok, on va mettre du coup ici, on va mettre également de l'eau. Parfait. On va aussi ajouter l'hôtel de luxe du coup. Voilà. Du coup, il y a aussi un petit hôtel économique qu'on pourrait rajouter, que je vais mettre, disons, comme ça. Et alors, ce qu'on va faire, c'est on va lier la zone ici. On va faire comme ça. Et j'ai même envie de vous dire que ici, on va... Du coup, rester en hauteur. Mais apparemment, il n'a pas envie de rester en hauteur. Ou de se mettre en hauteur. Bon, la hauteur c'était 9 si je me rappelle bien. Mais apparemment ça n'a pas du tout envie de se connecter. C'est trop bizarre. Et est-ce que de ici... Non, ça se connecte pas. Eh bien écoutez, c'est très bizarre tout ça. Ok, bon bah. Écoutez, on va laisser pour le moment comme ça. On va un peu tout laisser se développer. On voit ici qu'il y a quand même les avions qui commencent à prendre un peu leurs aises. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et j'hésite quand même à faire un petit truc. Et ça risque de coûter un peu cher pour rien. En fait, j'hésite à, vous voyez, mettre que ici, il puisse directement aller tout droit.
Comme ça, ils doivent pas, entre guillemets, faire la file par la suite. Tu vois, ici, s'il y en a un qui s'arrête, ben ça va pas, quoi. On est à combien, là? J'aimerais bien qu'on atteigne aujourd'hui les 650... les 1000. On peut prendre des politiques, hein. On peut augmenter peut-être un bonus de 200 points, mais ça coûte 20 par passager. En vrai, c'est intéressant, ça, quand même. On est à 850, du coup. Une petite station de carburant, je vois. Ah ouais, ça me coûte 60 000 quand même. Prendre ça, c'est quand même sympa. On a combien là? On a 980. Yes! Allez! Niveau 3. Ça, c'est cool. Gare ferroviaire, terminal aéroportuaire dédié aux fret, ça c'est vachement vachement sympa. Bâtiment du siège de compagnie, grand poste de stationnement, gare ferroviaire, installation d'avions cargo. Donc ouais, on a un énorme truc maintenant. On va voir comment ça va évoluer réellement. J'ai un peu, je vais pas dire peur, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Mais d'abord, on va voir juste si notre trafic ça va un peu mieux ou ouais, pas du tout. D'accord. Alors déjà, on va augmenter un peu la vitesse pour que ça s'analyse. On va transformer ça en 3 bandes, mais enfin, en 6 bandes du coup. Mais pas une dédiée au bus, quoi, entre guillemets. Et du coup, ouais, et du coup, ici, un peu notre. Allez, le système ici est un peu. Ah ouais, mais c'est abusé. Oh. Bon, par contre, on est passé de non reconnu à connu pour notre université, donc ça c'est vachement cool. Ouais, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à faire. Déjà, à compagnie aérienne, on doit ajouter notre bâtiment. Bon, on fera ça peut-être au prochain épisode. Là, j'aimerais un peu m'occuper des avions de fret. J'aimerais un peu m'occuper de ça. Alors. Enfin, est-ce qu'on a assez d'argent pour faire ça? Je suis pas sûr. Gare ferroviaire, station de métro. Gare ferroviaire. Ah non. Terminal aéroportuaire dédié au fret, c'est ça. Alors, est-ce que ça doit se passer? Ça se passe un peu où on veut, entre guillemets. Parce qu'après, il y a tout un système autour qui va se gérer. Donc je crois qu'on va faire décoller, genre par là. On mettra une autre piste. Mais c'est fou, hein, mon chien, à chaque fois que je tourne, il aboie. Bon, c'est quand même une très bonne chose tout ça. Ici, ça évolue vraiment bien. Ici, je peux dégager ça, c'est parfait. Alors, on a aussi le système d'incinération qui va pouvoir peut-être un peu nous aider à tout faire. Parfait. On doit rajouter toute une zone industrielle. Je crois que je vais en faire une du coup par ici. Parce que comme ça, on va vraiment pouvoir développer toute notre zone par là.
La question, c'est est-ce qu'on la développe par là ou est-ce qu'on développe ça par ici, vous voyez? Et comme ça, on aura plus un accès rapide qu'on fera par ici. On va peut-être faire ça, on va peut-être acheter la zone genre là. Et on va se créer une nouvelle zone industrielle par ici. Qui peut-être sera ici une zone... Qui sera peut-être une zone quand même plus grande. Dans le sens, je vais mettre peut-être une 6 voies au cas où. On va tirer carrément le truc ici. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire, du coup, autant en profiter pour faire la sécurité. Voilà. Parfait. Du coup, je vous propose ici, on va faire que du sens unique. Je sais pas si ça a marché, hein. Parfait. Et du coup, on fait ça aller genre comme ça. Comme ça et comme ça. Je sais pas si ça marchera ou non, mais bon. On va tester, on va remplir du coup nos petites zones ici. Bon, on va tout remplir d'un coup. Hein. Je me suis dit peut-être qu'on va faire au fur et à mesure. Non, autant tout remplir. On a une demande qui est là, donc elle va rapidement être. On va rapidement répondre à ça. On a juste être sûr qu'on ait de l'électricité et tout, mais bon, vraiment, ça devrait le faire assez rapidement. Ok, comme ça, vous voyez ici, on pourra peut-être mettre une zone intéressante. Bon, ici, notre zone ici commerciale devient très grande pour notre aéroport actuel. Il faudrait qu'on mette des habitations. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mis d'habitations. On avait problème d'export, donc clairement, notre petite zone sera importante à ajouter. On va agrandir notre zone ici. Ouah, ça me coûte 57 000, sérieux? Oh, ok, on va faire avec ça. Alors, je sais que c'est un peu de la triche. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis fou. Vous avez senti mon désarroi là très rapide? Où j'ai fait, oh merde, j'ai fait le bordel. Parfait. Bon, on va remettre du coup ça. Ah, il faut pas que ce soit dans la zone, c'est trop bizarre ça. Bon, ben ça c'est une bonne nouvelle, même si je vais quand même faire ça. Alors vous voyez, ça me coûte quand même de l'argent, c'est parce que supprimer des arbres nous coûte de l'argent. Voilà. Parfait, parfait. Du coup. L'entrée se fera par là. Boum, 180 000. Alors, il nous faut de l'électricité et de l'eau. Là, c'est de l'eau. Maintenant, de l'électricité. Parfait. Alors, la route, pour le moment, ça va être une route assez basique. Dans le sens, on va juste faire comme ça, pour le moment.
Et si on le fait aller comme ça, et basta. C'est plus histoire de dire, voilà, on répond à votre demande. C'est déjà ça. Parfait. Maintenant, on va pas trop se compliquer la vie. On va juste mettre ici les avions cargo. Ça nous coûte 13 000, donc déjà deux, ce sera déjà très bien pour le moment, pour commencer. De nouveau, on met de l'eau. Et alors, on va se mettre du coup une piste. Une nouvelle petite piste, peut-être. Alors en vrai, j'hésite à faire une piste plutôt comme ça et de me dire on pourrait un peu faire emmener les deux quoi. Genre un peu dire regardez, vous pouvez quand même aller ici si vous le souhaitez. Alors c'est long pour aller jusque-là, mais pourquoi pas quoi. Et même chose ceux qui arrivent ici. C'est très loin hein, ce que je suis en train de faire, je suis d'accord. Mais bon, on teste, on découvre, on s'amuse un peu aussi. Voilà, l'idée c'est que maintenant on va dire, regardez, vous pouvez exporter. Alors lui, il a du mal, hein, il a quand même du mal à se dire ça. On va... Je sais pas ce qu'on pourrait entre guillemets faire en plus. Peut-être qu'on pourrait mettre un train de marchandises ici qui amène de la marchandise jusque-là. Ça pourrait être intéressant. En parlant de marchandises, où sont nos travailleurs? Je rigole, je rigole, je rigole. J'ai l'impression que niveau bus, ça s'essouffle un peu. Genre, il y a trop de monde. 800 personnes qui attendent ici, quoi. Regardez-moi ça. 948 qui attendent là, et c'est pour juste faire quoi? C'est pour juste faire ça, quoi. Ok, métro, c'est l'heure de rajouter des métros, hein. Déjà, ici, ils sont pas connectés entre eux, c'est absurde, ça. On va faire ça. On va rajouter un métro en plus, qu'on mettra, du coup... Alors, on va mettre ça ici peut-être. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour qu'on puisse du coup... faire comme ça. Et ensuite... Ah non, j'ai plus assez d'argent, sérieux. Bon, allez, j'espère que ça va vite monter. Normalement, oui, hein. Regardez, on est à plus 20 000 là. 19 000. Voilà. Et on va faire une ligne qui va aller de ici, comme ça. Et comme ça. Alors, pourquoi est-ce que tu veux pas t'ajouter? Génial. Là tu veux bien, par contre là tu veux pas. Ah oui, mais t'es pas connecté. Parfait. Et là on fait le retour. Voilà, bon on a... C'est peut-être pas le truc le petit... plus opti pour le moment. Je crois pas que j'ai envie de pour le moment faire plus que ça. Il faudrait juste peut-être qu'on ait un, et je crois qu'il va partir de là jusque. Alors, ce qui serait cool, ce serait jusque là. Et puis qu'on ait quand même jusque ici, quoi. Et je mettrais bien peut-être ici, hein.
L'idée, c'est de, si je mets ici, au moins ils peuvent aller à pied jusque où ils veulent, quoi. Écoutez, on va faire ça. Là et ici. Comme ça, ici, on va pouvoir faire une petite boucle. Comme ça. De là. Évidemment, on n'a pas d'argent. On peut pas faire un petit emprunt là, ce serait cool. Déjà, on va augmenter aussi les impôts. Parfait. Et on va faire un emprunt de 200 000. Comme ça, on ne doit pas attendre non plus des heures et des heures. Parfait, et on va connecter le tout ici. Voilà, comme ça on fait une ligne d'ici. Bah alors j'irai bien peut-être à droite, comme ça ils ne se croisent pas. Et voilà, parfait, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!